Good morning, allez, Iden et Sus, aujourd'hui le Nishmat, Richard ben Fortuné Mazal, Claude Israël ben Fortuné Mazal, Amram Yona ben Hana ben Shalom et Shimon ben Eliyahu ben Koka. Si vous souhaitez vous aussi dédier une prochaine étude de Mishnah, contactez la 5 minutes éternelles. Nous étudions Maserhet Beitza, Perek He, Mishnah Hei, Agachelet Keragle Abéalim, Veshalhevet Bechol Makom. Gachelet Shalhegdesh Malinba, Veshalhevet Lo Neinin Velo Malin. Amotzi gachelet lirshut arabim chayav veshalhevet patur. Bor shel yachid keragle ayachid veshal anshe ota ha'ir keragle anshe ota ha'ir veshal ole bavel keragle hamemale. On continue avec le même principe des mishnayot précédentes de l'interaction entre les lois de Eruvin, Eruvet Roumin plus précisément, avec la permission de porter à Yom Tov. Soit j'ai le droit de porter à Yom Tov, c'est vrai, tout ce que je veux. Cependant, les lois de Eruvin me limitent à 2000 amas autour de la ville, au maximum, avec possibilité de tout concentrer d'un seul côté, de prendre 4000 amas d'un côté et de renoncer aux 2000 que j'avais de l'autre côté. D'accord? Ça, c'est le principe. Du coup, on a déjà évoqué plusieurs situations, et on continue à présent avec encore d'autres cas de figure. Agachelet qui est réglé à Béalim. La Mishnah m'enseigne, sache que lorsque tu vas prendre une braise, qui est déjà allumée, eh bien, qui est réglé à Béalim, tu devras aller selon le propriétaire de la braise. Soit, s'il peut marcher à l'est, tu vas à l'est uniquement, et si toi tu peux aller, tu pourras la prendre à l'ouest en tout cas. Par contre, Veshal Hevet Bechol Makom, c'est surtout pour ça qu'on enseigne en fait, l'histoire, parce que la Gachelet, on avait bien compris que la Gachelet, c'est. Comme tout autre objet, ça dépend du propriétaire. Cependant, la Mishnah vient enseigner que Shalhevet, la flamme elle-même, Bechol Makom, tu peux la prendre où tu veux. Soit, si tu t'es servi d'un feu qui appartenait à Reuven, qui avait le droit de partir qu'à l'est, grâce à son feu, tu as allumé ton feu maintenant, ta fiole, tu as le droit de prendre ta fiole et de partir à l'ouest, parce que là, on ne va pas dire que c'est le même feu qui est passé d'un à l'autre. Le feu, c'est pas le même feu, ça change. C'est la combustion. Enfin bref. C'est plus la même chose, d'accord? Ensuite, même principe. Puisque déjà on a commencé à parler des différences entre la braise et la flamme elle-même, alors la Mishnah enseigne Gachalet Shalekdesh Moalinba. Si tu vas prendre une braise qui appartenait au Beth Amikdash, qui était allumée, qui appartenait du Misbéar par exemple, eh bien Moalinba, on transgresse l'interdit de Meïla, de faire un sacrilège, parce que tu l'utilises, tu n'as pas le droit de le faire. Par contre, si c'est une Veshal Hevet, Lon Nehenin Velon Moalin. Si toutefois, le feu qui est sur le misber, tu vas l'utiliser à tes propres fins, mais juste la flamme plutôt, de sa flamme tu vas allumer autre chose, alors là il n'y a plus d'interdit. Soit par exemple, tu vas t'allumer ta cigarette sur le misber, le coin il a fini de travailler, il sort sa petite clope, et il allume avec le feu du misber. Alors on va lui dire quoi? L'eau maline, vélo, et l'eau néline, vélo maline. Sache que tu n'as pas le droit de tirer profit, mais si tu as tiré profit, eh bien tu ne pourras pas l'allumer. Et tu transgresseras pas l'interdit de Meïla de faire un sacrilège. D'accord? C'est le principe. Je crois aussi que c'est en vigueur dans l'Alakha, j'avais vu il y a longtemps, sur cette histoire aussi, une question à ce propos. Est-ce qu'on peut allumer une cigarette à partir d'un Ner Neshama qu'on a allumé, l'Elohim Neshama de quelqu'un? Ou bien il y a comme une sorte de Gdusha, on a sanctifié, on a prévu, c'est un Tzorech Mitzvah plus précisément. Je crois que j'avais vu qu'il fallait éviter de le faire. Ensuite, Amotzi Gachelet Lirshut Arabim Chayav Veshalevet Patur. Encore autre situation entre la différence entre la braise et la flamme, c'est que si tu vas prendre une braise, tu vas la sortir de chez toi pour la sortir dehors, tu transgresses l'interdit de Hotzal, de porter quelque chose à Shabbat. Tandis que Veshalevet Patur, tu vas faire que juste la flamme, elle va sortir dehors. À part l'interdit de Mavir, d'allumer un feu, c'est pas notre problème en ce moment, on parle de ça, on a juste l'interdit de sortir la flamme. Soit il y a une flamme qui allume à l'intérieur de toi, tu fais du vent pour qu'elle se pousse et qu'elle va allumer quelque chose comme un autre chose de rabbin, eh bien tu ne penses que ça n'a pas l'interdit de porter à Shabbat, parce que c'est la flamme elle-même que tu ne l'as pas transportée. Ok? À part ça, autre sujet maintenant. Bor shel yachid, keragla yachid. On continue avec le même principe. On va cette fois-ci s'intéresser aux lois de l'eau de puits. Alors si c'est un puits qui appartient à Réhouven, et qui me permet d'entrer chez lui pour puiser, alors je serai limité par les pieds de Réhouven. C'est-à-dire, là où Réhouven a le droit d'aller, je pourrais prendre son eau, mais je ne pourrais pas aller ailleurs.
Par contre, Veshalan Sheotaï, si je vais maintenant sur la place publique où il y a là-bas le puits, laquelle toute la ville, plusieurs personnes, viennent s'abreuver de ce puits. Alors là, la Mishnah enseigne que c'est qui est réglé à Anshirotahir. Je serai limité comme les habitants de la ville, soit 2000 lamas tout autour. On ne va pas commencer à se dire, ah, mais il y a dans cette ville, il y en a un qui a pris, il y a 4000 lamas de l'autre côté. Et puis, non, on va selon la ville elle-même, la ville elle-même, elle a 2000 lamas. Parce que c'est public, donc ça appartient au public qui sont censés être là. Veshel Ole Bavel, qui est réglé à Memalé. Nouveau cas de figure maintenant, c'est une troisième sorte de puits. On avait le puits du particulier, le puits du public, et maintenant un puits qui a été Shel Ole Bavel, pour ceux qui montaient de Bavel. Soit il y avait, c'était des fréquences, ça a duré pendant très longtemps, mais tu sais par rapport à cet usage déjà, que il y avait des yeshivot, il y avait des tzadikim qui habitaient à Bavel, en Babylonie, en Irak, et ils montaient à Yerushalayim, malgré tout, tous les ans, pour les fêtes. À Soukhot et à Pessah, ça prenait 2 semaines même. En tout cas, la Mishnah enseigne que ça, c'est les gens qui montaient, donc qui montaient à Yerushalayim. Si toutefois, donc ils se retrouvent des fois, maintenant, Yom Tov qui est rentré, ils sont pas encore arrivés à bon port, ils sont pas encore arrivés à Yerushalayim, mais ils sont sur la route, et puis là-bas, il y a un puits. Donc c'est des puits qui ont été creusés spécialement pour les gens qui vont monter à Babel. Alors là, il y a une halakha particulière, ce sera qui est réglé à Memalé. Ça va pas être que ça va être comme les pieds de fixés selon celui qui va remplir, qui va partir puiser cette eau. Ça, je m'explique un peu mieux. On a trois sortes de puits. Donc on a le puits particulier qui appartient à Rouven, je suis limité comme Rouven. Le puits qui appartient à toute la ville, alors je suis limité comme toute la ville. Maintenant, il y a un puits qui est encore plus fort que ça. C'est un puits qui est pour tous les gens qui vont passer ici, pour Olé Bavel, qui vont monter de Bavel, qui vont passer par cet endroit-là. Et bien dans ce cas-là, hein, sache que. Chaque personne, selon sa direction, selon ce qu'il prévoyait faire, il pourra prendre le puits, l'eau de puits, quoi, le contenu, il pourra l'amener là où il a le droit de partir, même si on va se retrouver avec une situation un petit peu contradictoire. Lui, un il va par ici, l'autre il va par là. Imaginez qu'il avait prévu un érouv pour partir par là. Eh bien, chacun qui va puiser de l'eau, l'eau qui va puiser, on va dire que c'était son eau, mais quoi, grâce à la robe de Bréra, comme tu as expliqué le partenariat, on va définir que c'était son eau. Depuis qui était prévu pour lui, cette eau-là va être définie comme celui qui l'a puisée. Par contre, si par exemple il l'a puisée, et puis après il y a son copain qui vient qui lui dit ah, tu peux me donner de l'eau et je lui donne, là il est limité par moi. Parce que de nouveau, dès que je l'ai saisi, c'est devenu la mienne. Et si c'est devenu la mienne, c'est limité comme mes conditions à moi, jusqu'où j'ai le droit d'aller en dehors de la ville. De ce fait, lorsqu'il va la prendre maintenant, alors il va prendre de mon eau, il va être astreint à mes domaines dans lesquels j'ai le droit d'aller. D'accord? C'est tout pour aujourd'hui. C'est une journée pleine de Hatzlacha, Kol Tov, Salam.